Bien, je vais supprimer ces éléments et maintenant je vais importer les mêmes qui n'ont pas de profil inclus, les images Photoshop sans profil inclus. Alors dans ce cas, quand je fais voyager le curseur dans au-dessus de ces trois images qui se succèdent dans la séquence, eh bien, ça se voit clairement que les couleurs changent. Sans profil inclus, Adobe Premiere ne fait pas de color management. Il envoie directement les valeurs RGB de ces images vers le moniteur. Alors, il se trouve qu'il y a une des trois images qui a les couleurs qui sont valables. C'est celle qui est prévue pour le moniteur. Je suis en train de la visualiser sur mon moniteur. Maintenant, je transférerai la séquence et ses éléments vers un autre ordinateur. Même l'image qui est prévue pour mon moniteur s'afficherait mal sur l'autre ordinateur puisque ce serait un autre moniteur. Donc voilà, vous avez intérêt à inclure les profils dans vos images fixes Photoshop pour que ce soit pris en compte dans Premiere. On va essayer maintenant avec les éléments Illustrator.